Bienvenue pour cette course à fort enjeu, une des plus attendues de la saison avec, et c'est là tout le piquant de cette épreuve, la perspective pour le perdant d'une retraite courte mais intense à l'abattoir. Et à l'approche du premier tournant, c'est la tête en sursis, Amiral de Réforme qui ferme la marche devant Futur de l'Écarissage. Futur de l'Écarissage qui donne tout ce qu'il a, mais ça va être juste Amiral de Réforme qui remonte fort. Et c'est bien le numéro 6, Futur de l'Écarissage, qui est parti pour être le grand perdant de cette épreuve en prenant la dernière place, alors qu'on m'annonce qu'il n'y a finalement pas un, mais bien 7 chevaux qui ont perdu bien plus que la course aujourd'hui. Quelle finish incroyable!